Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 9 du Let's Play de Rock of Age. On en était à la fin de La Rochelle, on va passer maintenant à l'Espagne probablement, qui est juste en dessous. On est parti comme d'habitude, voilà, Madrid, c'est parti, go! Alors ça va, j'ai l'air de bien avancer, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la fin. Oh là! Napoléon, bien évidemment, que vous connaissez. A chaque fois que je relance le jeu, ça fait toujours marrer les animations. Je suis désolé, hein. J'espère que vous aussi, parce que ça me fait beaucoup marrer. En tout cas, les conneries. Ok. Alors, je rappelle, hein, les développeurs sont sans doute très cinglés. D'avoir fait des copies de Mortal Kombat, des copies de divers films, jeux. Enfin, c'est intéressant. Alors, Madrid. Madrid, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va voir où est la base. On est ici, il y a beaucoup de virages, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut déjà positionner des choses ici, ce qu'on va faire dès maintenant, évidemment. En les retournant correctement. Voilà. J'alterne un peu, hein, je sais pas si on aura assez pour faire. Il faut qu'il me reste 1000, je vous rappelle. A chaque fois, c'est toujours la bataille pour avoir les 1000. Voilà, il y a des catapultes partout. J'aurais bien mis un petit tonneau là, par exemple, histoire de l'embêter. Je pense qu'il va faire le tour, mais c'est pas grave, ça va peut-être le ralentir un peu. En bas, c'est l'air plus tendu parce qu'il y a les rochers. Peut-être que j'aurais dû en mettre un là. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on le fera juste après cette phase-là. C'est parti contre Napoléon à Madrid. C'est parti. Alors, oh, il y avait une nouvelle boule, j'ai vu. Il y avait une nouvelle boule. Alors, je dis ça comme ça, mais normalement, Napoléon est français. Hein. Je sais pas pourquoi on parle de Madrid. Il y a un truc que j'ai pas dû suivre dans l'histoire, mais enfin, c'est pas grave. Oh là, il y a du monde là, ici, là. Beaucoup de monde là, beaucoup de monde. On peut essayer de passer par là. Voilà, il y a un petit ventilateur là qu'on s'en fout. Alors, comme d'habitude, je vous le rappelle, on commence toujours par les boules les plus puissantes histoire d'avoir un maximum de comment dire, de dégâts la première fois parce que vous savez bien qu'après il va se fortifier et donc du coup ma boule en feu ne sera plus en feu, ce qui est problématique. Voilà, c'est beau ce que c'est beau ce chouette là, c'est beau. Ouais, free kill au passage, voilà, comme d'habitude. On va essayer de passer, pas par là. Ouais, fallait pas passer par là. D'accord, c'est un peu cauchemardesque, j'ai envie de dire, le coin. Il n'y a pas vraiment de chemin. Il n'y a pas de clé non plus, j'ai besoin de clé, je vous rappelle. Hein, les clés sont nécessaires pour passer certains niveaux. On va descendre par là, écoutez, soyons fous. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, pourquoi pas. Toujours une nouvelle musique, hein, très intéressante aussi. Ouais, ouais, ça je vais l'avoir raté, faut de la vitesse. Voilà, bon écoutez, j'ai fait 10 dégâts, la moitié, lui il m'en a fait que le quart. On a de la chance, il est gentil parce qu'il n'utilise pas tout son argent pour mettre des grosses boules. Alors, qu'est-ce qu'il m'a pété ici? Il m'a pété un truc comme ça. Ce qu'on va faire peut-être... On peut pas la reconstruire. Là il faut que je garde 700, je vous rappelle. 700, j'ai l'impression qu'il passe plus par le bas, alors du coup on va faire 160, c'est bon 700, voilà. Donc moi j'ai misé la stratégie hein, sur mettre des grosses boules, parce que j'ai des grosses boules, et désolé, hein. Pour le coup c'est vraiment mettre les boules les plus puissantes tout le temps, enfin un maximum, parce que les défenses en fait, j'ai remarqué qu'on peut toujours passer à côté, et donc il y a celle-là, c'est quoi, c'est la boule noire là. On va l'essayer après, si on peut on va l'essayer après. Elle coûte pas très cher donc je pense qu'elle est pas très efficace, mais on verra. Peut-être qu'elle est, elle a une couche supplémentaire peut-être de défense, je ne sais pas. De protection plutôt, parce que de défense... Alors le chemin je change à chaque fois parce que je sais jamais où je vais. Free kill, voilà. Donc là il y a un moulin, ok d'accord, si tu veux, vas-y, je le casse son moulin là. Je cherche les clés, j'ai fait en avoir une tout à l'heure, hein, je vous rappelle. Il y en a une là-bas là. Et là c'est pas la même, comment je vais y aller à ce cas? Il y a aucun moyen d'y aller? Voilà, oula, oula. Ok, j'ai fait la boulette. Ça, c'est la boulette. La petite boule, quoi. La boulette. Il n'y a vraiment que des boules dans ce truc. Alors, le toral, on va le laisser tranquille. On va friquer un peu. Deux personnes. En fait, quand on a la stratégie du jeu, en fait, ça devient beaucoup plus simple, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de passer à droite, là, pour changer au cas où je peux avoir le... Ouais, dans la clé, elle est foutue. Peut-être que j'aurai un peu plus d'élan, par contre, par là. Peut-être. S'il y a une belle descente, ouais, une belle descente. Par contre, il faut bien viser la porte, hein. Voilà! Oui, Napoléon est très mal maintenant. Donc il faut toujours 3 boules, hein, voilà, on le voit, il y a toujours 3 boules. Alors lui, il vient juste d'arriver, donc avec un peu de chance, j'ai légèrement de l'avance. Je vais remettre des tourelles, et je garde 400, je vous rappelle. Enfin, des tourelles, ce sont des catapultes. Voilà, je peux mettre un petit peu plus d'explosifs ici.
Et je garde bien 400, hein. Je n'ai pas oublié, ne vous en faites pas. Là, on est bon. Voilà, 460, c'est parfait. Voilà, comme ça, on aura testé la boule noire. Napoléon, tu vas mourir. Et tu vas mourir très facilement, parce que vous avez vu, j'ai même pas galéré à ce niveau-là. Hein. C'est, Ah, ceci dit, lui, il m'a bien entamé aussi. Faut que je speed un peu, parce qu'il est capable de m'avoir au prochain coup. Parti, on fonce. Alors, ok, une bombe, enfin une boule à boule, à bulle, je sais pas là, je comprends pas. J'espère qu'elle ne va pas casser par contre de suite, il y a un truc que j'ai peut-être pas prévu, je sais pas. Un effet qui se coule qui va pas. J'aurais pu tourner à droite au cas où, qu'il y a une clé. Bon, j'ai eu aucune clé à ce niveau, ça c'est pas bon signe. Hein. J'ai envie de vous dire. Voilà, on va passer par là cette fois pour changer, hein, histoire de changer, hein. On a envie de changer. Donc une boule noire, encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Elle a l'air d'être. De faire des tâches. Ah oui, pour empêcher, je pense. Quand elle saute, je pense qu'elle empêche à l'adversaire de poser des trucs. Vous avez vu, ça fait des... Et à mon avis, ça bloque la case. Parce qu'on l'a vu, la case est devenue noire tout à l'heure. Donc c'est une supposition, en vrai. Alors ça, par contre, c'est pas bon signe, ça. Alors, il faut que j'accélère un peu parce que j'ai peur qu'il arrive... Alors, il est encore au taureau, donc ça va, j'ai un peu de l'avance. J'ai un peu d'avance. Non, par contre, là, si j'arrive pas à passer ça, je vais perdre avec ça, sans déconner. Non, non, je vous assure que non. Hein. Ça le fait pas. On va faire le tour. Ouais, mais. Là, deux balles là. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à passer. C'est bon, on fonce, hein. On fonce, on a plus le temps. Parce que là, il est en même temps que moi, à peu près. Et j'ai peur qu'il finisse par gagner. Il arrive à peu près à mon donjon. Sauf que moi, j'ai réussi à péter. Voilà, j'ai touché légèrement avant lui. Ce qui fait que j'ai un léger avance. Lui aussi, hein. Faut que je fonce. Voilà. Vite. Alors, lui, prend l'élan. J'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance en fait. Parfait, j'ai gagné, voilà, bah continuez. J'ai gagné face à Napoléon quand même, qui est vraiment un empereur étonnant, très puissant. On va aller à Porto, au Portugal, évidemment. C'est parti. Je ne sais pas si on va aller vers l'Afrique ou pas après. Vu l'histoire de l'Afrique, j'ai envie de dire que ce serait étonnant, mais après je connais pas tout. Hein. Donc Charles III, bon, que je ne connais pas, qui est sans doute un roi espagnol. Je ne sais pas, j'ai pas dit du tout. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Doom, d'accord, c'est là, une grosse référence à Doom. La musique, je l'ai pas reconnue par contre, je suppose que c'est Doom. Ok, alors j'ai pas tout compris pourquoi il le cache derrière l'arbuste, peut-être qu'il y a une référence au fait qu'il soit maniaque, j'en sais rien. En tout cas, c'est toujours aussi marrant, faut avouer que... Avec les petites voix. Alors il y a une nouvelle unité, c'est une nouvelle mine, moi les mines je les prends pas parce qu'on en a pas besoin. Alors là, ça devient plus compliqué, parce qu'il n'y a que quelques cases, il y a de l'eau au milieu. On peut passer à droite, mais c'est un peu tendu. Alors, le problème, c'est que... en plus, elles peuvent pas se tourner beaucoup. C'est pas grave, on va le faire quand même. On va en mettre 3, comme ça devrait à peu près la pousser. Tout ce qui passe, en fait. Je vais les mettre comme ça. Et puis, au milieu, on va essayer de mettre des petits barils, hein, histoire de... Comme ça, par exemple, c'est pas mal. Bon écoutez, on va rester comme ça, on va voir, attention ce que je vous dis, hein. Moi je joue beaucoup sur la vitesse. Je pense qu'il va partir en même temps que moi, il part en même temps que moi. Il part à peu près en même temps que moi avec une légère avance. Il faut vraiment que je fonce, et là par contre il y a de l'eau. Alors ça c'est cauchemardesque parce que... ça veut dire qu'il faut pas que je touche l'eau évidemment au milieu. Ce qui est tendu, évidemment. Mais j'y arrive, hein, j'y arrive, vous avez vu, je saute là, c'est pas trop mal. On va aller en face. Voilà. Alors là faut repasser par là. Ouais, c'est même cauchemardesque avec cette boule là. Oh là, non, je suis deg, non. Bon, tant pis, voilà, ça c'est fait. Merci, espèce d'enfoiré. Alors lui, il est parti avec la boule normale. Hein. C'est de remonter quand même. Voilà, merci, c'est mieux, c'est plus rapide. Oh là là. Alors, le chemin est très tendu. J'ai déjà entendu cette musique là, je crois. Hein. Enfin, je la connais déjà de base. Mais je crois qu'on l'a déjà entendu dans le jeu, au passage. Oh, j'aurais pas passé de l'autre côté, alors il faut de la vitesse, je sais pas, c'est... Avec la boule en feu, ça me paraît très tendu en fait, donc il va falloir que je fasse avec les autres. Voilà, ça va être tendu, mais tant pis. Sans déconner, là c'est hard, là, faut avouer que là c'est hard, je pense qu'on se rapproche de la fin, je vous le dis après, à vérifier, hein. Je suis pas sûr d'avoir le niveau du premier coup, parce que là, vu comment ça se présente... Alors lui, il est beaucoup dans l'eau, vous avez vu, hein, donc il perd beaucoup de temps avec ça. Ce qui fait que je vais essayer d'aller un maximum en hauteur, parce que là, ça va jouer sur le temps, on va essayer de le faire en 3 fois, hein. Essayer de le faire en 3 fois, ça serait beaucoup mieux. Voilà, je casse tout au passage. Voilà, il vient de toucher mon donjon. Il va falloir foncer un peu parce que là, je suis dans la merde. Ça fait beaucoup de dégâts, il en a fait moins que moi. C'est toujours ça.
On va essayer de retourner à la maison et de voir ce qu'il m'a fait comme dégâts. J'ai envie de mettre des très lourdes. Il faut qu'il me reste 700 au bout. Bah, j'aurai largement assez, donc autant faire ça. Voilà, il me reste 800. Il va être bien canardé avec mes trucs, là. On peut pas en mettre d'autres après, c'est le problème, c'est vraiment réduit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite surprise, là, comme ça, là. Et s'il tombe dessus, boum. Oh, histoire d'eux. On va prendre la boule renforcée, hein. Et on va essayer de foncer, parce que j'ai un peu de retard. Voilà, tout simplement. À moins qu'il me mette seulement en 4 coups, mais ça m'étonnerait. A tous les coups, il va m'avoir en 3 coups tout pile, et je vais être dégoûté. Donc là, un maximum resté en fonçant, parce que là, il faut que je fonce. Voilà, j'avais dit un maximum sur la terre, mais c'est pas grave. Voilà. On va faire ça comme ça. On va tourner, voilà. Donc la boule en feu, ici, est inefficace, vous le saurez, parce que clairement... La vache, il y a beaucoup de monde là, il y a un hélicoptère aussi. Voilà, on m'attaque en même temps. Voilà, c'est le bordel. Il y a du bordel ici, hein, faut avouer. J'adore cette musique au passage, mais rien à voir, hein. Alors, faut pas qu'elle casse. Histoire qu'on tape très fort, parce que j'ai pas envie de le faire 4 fois. Hein. Je vous le dis, c'est hors de question. Enfin, je me démerde. Faut pas la faire 4 fois. Alors peut-être que cette boule-là, faudrait la garder pour le dernier niveau, justement, pour être protégé un maximum. Et peut-être qu'au début, il faudrait lancer des boules normales. Voilà, alors je sais pas où du tout il en est. Il est beaucoup dans l'eau aussi, comme moi, mais... Il remonte que très très peu. Alors, on m'attaque pas mal, là, je vois. Voilà, on m'attaque même beaucoup beaucoup, mais ça ne me touche pas. De la chance, on va essayer de rester à droite, ici, là, ça a l'air de foncer. Ah, non. Voilà, par là, merci. On reprend un peu de vitesse. Voilà, il a du retard. Voilà, et là il est mal. Il est très mal, il faut juste que ma dernière boule tienne. C'est parti, on va refaire les défenses, hein. Je crois que ça l'a pas mal touché là. Voilà, ma boule est là. Mes tourelles sont là. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de remettre des plus gros barils à 220 ici, voilà, qui font ça. Voilà, on va essayer d'en mettre un maximum. Puisque là... Est-ce que je prends la boule à 400? Je sais pas. Ça n'a aucun intérêt la boule à 400 au passage, mais... Ouais, tant pis, on laisse tomber. On va en mettre là. Voilà. Vous ainsi touche ça, à mon avis, il va avoir mal. Et puis il va être retardé. C'est ça l'intérêt. Parce que là, je suis quand même bien défendu, faut avouer. Hein. On peut pas faire mieux, de toute façon, il n'y a plus assez de cases. Vite! Parce que j'ai de l'avance, et j'ai envie de la conserver. C'est parti. Voilà, il n'a pas encore démarré. Ah, par contre, il ne faut pas que ma boule pète, parce qu'il lui reste pas grand chose. Ce serait con d'y passer maintenant, en fait. Ah, j'ai pris des dégâts. Voilà, la boule roule, c'est parti, il est parti lui. Il est parti, mais il a du retard, hein, je vous rappelle. Et puis il y aura pas mal de mes mitraillettes, de mes arbalètes qui vont le saigner. Par contre, il est que à la moitié, il y a des chances qu'il ne met pas à ce coup-là alors que moi je vais l'avoir. Donc en fait, je suis plutôt tranquille en fait. Non, pas de truc qui m'attaque. Ça m'a frôlé. Ça va. Je vais essayer de passer par là, histoire de, tiens, d'ailleurs. Sur l'extérieur, je n'ai eu aucune clé. Encore une fois, les clés sont nécessaires pour passer les niveaux, je vous rappelle. Ah, free kill, voilà, petit free kill dans l'eau là. Donc à la rigueur, on aurait plutôt le temps pour évaluer une bonne stratégie. Parce que lui ne mourra pas, c'est clair et net. Il n'aura pas la moitié de ma vie avec une seule boule pourrie en plus. Là, quand il va se prendre mes bombes en plus, c'est même pas sûr qu'il y arrive avant que j'y arrive. Il est juste mal. Voilà. Il m'a touché un peu, mais c'est pas grave. Alors, ma boule n'est pas trop abîmée, un petit peu. Alors, attendez. Là, on va pas prendre de... Si, on va prendre un risque. Ah, c'est chaud. Non. Marche arrière, voilà. On prend un peu de vitesse. On prend un peu de vitesse et on va taper la porte. Et là, cette fois, ça devrait être bon, j'espère. Voilà. Bye bye, mon petit Charles 3. Bye bye. Voilà. 6039. Voilà, c'est magnifique. Aisé, j'ai envie de dire. Alors, après le Portugal, à votre avis, il y a quoi? On va passer au sud du Portugal, peut-être? Ah non, on revient en Espagne. Sabbat des sorcières. Alors, ce n'est pas un boss, puisque il y a des clés. On va voir ça. On reste en Espagne. Hein. Oh,
Ok, j'ai pas compris la référence. Je sais qu'il y a un dieu qui ressemble à ça, le grand bouc. Après le reste, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas compris, je vous avouerai, voilà. Sabbat des sorcières. Et bah c'est parti. Alors là, il y a pas mal de bordel. Il y a un canon. Où c'est qu'on départ? Où c'est qu'on part? On part de là. Je vais spammer avec des. On va en mettre des bigs dès le début, écoutez. Alors le problème c'est qu'on peut pas toucher à droite. Alors je vais faire ceci. Et ceci déjà. Pour éviter qu'il puisse passer trop bien. On va en mettre un là aussi, évidemment, c'est complètement stratégique. Là je mets des gros, je mets que des gros, hein, on s'en fout. On passe après. Hein. Je vais mettre ça comme ça. Ah, il me reste plus que 200. Allez, on en met un petit à 160. Alors lui il démarre déjà direct. C'est parti, boule en feu. Alors il n'y a pas d'eau là, dites-moi qu'il n'y a pas d'eau. Parce que j'ai envie de garder ma boule en feu là pour faire beaucoup de dégâts, je vous rappelle. Lui à chaque fois il utilise une boule normale, ce qui est une mauvaise stratégie pour moi. Alors je sais pas du tout où je vais. Ah, je me fais déjà attaquer par la gauche là, on a vu. Ah, par la droite, pardon. On voit pas de clé non plus, on voit une saloperie là de... Ah bah... Ah, alors celle-là, elle s'y attendait pas. J'ai niqué son hélico. Et c'est... Non, non. La vache, les dégâts de la boule, j'ai peur qu'ils s'éteignent dans pas longtemps. C'est pas vraiment une zone à... Oh là, alors, un canon, faut pas que je me le prenne, ça c'est sûr. Mauvaise idée. On saute pas mal pour éviter les impacts. Non. Voilà, bon, j'ai perdu, voilà. Ouais, c'est pas grave. Ma boule a pris beaucoup de dégâts. C'est une zone vraiment à beaucoup de dégâts. Hop, voilà, c'est bon, ça passe. Alors là, c'est complètement anarchique. Là, c'est même plus un chemin. Ça arrête pas de sauter. Il y a beaucoup d'îles. Donc, les trucs en feu, clairement, faut les oublier. Par contre, on voit la porte. Oh la vache. Là, j'ai pris beaucoup de dégâts à taper dessus. Allez, une bonne vitesse, une bonne vitesse. Voilà, on la latte bien. Ouais, pff, le quart. Ouais, vraiment, franchement, boule de merde. Hein, c'est pas grave. On va prendre la boule renforcée juste après, bien évidemment. Alors, lui, il vient de passer. Il m'a fait un peu plus de dégâts, peut-être. Et on va le spammer avec des tourelles, hein, je me rappelle, on a des tourelles. Et on va les utiliser, croyez bien, au maximum. C'est vraiment histoire de faire beaucoup de massacres sur cette boule là. Mettre une là aussi. Ah, il faut qu'il me reste 700, donc là j'ai raté les frais. On va essayer de faire un truc comme ça peut-être. Je suppose c'est avantageux, mais enfin voilà. 740, c'est parfait. Boule renforcée maintenant, du coup, qui fera beaucoup de dégâts parce que lui il m'a eu le quart. Je pense que j'ai. Je l'ai peut-être eu même un petit peu plus que lui, je ne sais pas. Et j'ai plus vite que lui, ça c'est clair que j'ai plus vite que lui. Alors on va essayer de garder la protection évidemment un maximum. On va essayer de passer par la droite ou pas? On va essayer de passer par la droite. Histoire de... On va sauter par-dessus, voilà. Ouais, là il faut grimper, alors là je suis spammé aussi. Par contre je pense que c'est un sacré raccourci. C'est ça que ça m'arrange de passer par là. Là par contre ça grimpe quand même beaucoup. Oh la vache. Ok, ça a pété. Mais ma boule n'est pas attaquée du coup. Alors, mauvaise idée, j'ai l'impression de passer par là. Hein. Là, faut sauter par là, là. What? 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 Voilà, bah super, super. Alors là, franchement, je ne passerai plus jamais par là. Hein. Je vous le dis, c'est mort. Mais c'est pas grave. On peut continuer à avancer et c'est le principal. Alors, j'ai l'impression qu'on a gagné beaucoup de temps avec ça, mais c'était pas forcément ce que je voulais, quoi. On va essayer de garder pas mal de vitesse, voilà. Voilà, là, on est bien. Bam! Voilà, là j'ai fait beaucoup de dégâts. Faudrait que je refasse la même. Mais par contre, je repasserai pas par là le truc en haut. Donc en haut, c'est mort. Et puis j'ai plus rien, j'ai plus de réserve. Alors du coup, il va falloir se préparer à le spammer, ce con là. Voilà. On va faire ça. La boule arrive, vous avez vu comment elle est spammée? Regardez bien. Vous avez vu comment elle est spammée? C'est abusé. C'est abusé, voilà. Et puis elle casse bien. Vous avez vu, elle est toute petite. Elle est toute petite, elle a réussi à passer mais elle est toute petite. Donc en gros c'est pas trop grave, elle va faire très peu de dégâts probablement, voilà. Donc j'ai une excellente défense. Il faudrait que je termine là, ce serait pas mal. Parce que lui il m'aura pas au prochain coup. À moins qu'il prenne une boule en feu et qu'il ne se fasse pas toucher. Mais vu comment ça le spam là, c'est clair et net qu'il va morfler. Voilà. Donc je vais prendre une petite boule. Et on va pas passer par la droite parce que c'est mort. Ça par contre on va les shooter avant que ça arrive, voilà. Ça m'arrange autant. C'est de passer par là. On les évite tout simplement, ce serait plus simple que de les affronter en allant je sais pas où là. Voilà, aucune clé par contre, rien. Aucune clé. Ah, il y a une clé là-bas. Si, il y a une clé. J'ai à peine dit ça qu'il y avait une clé. Voilà, on va la récupérer au passage parce que c'est gratuit, voilà tout simplement.
Voilà. Alors ça, on fait ça, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est parti, go. Ça va, là, je commence à avoir un... Là, j'ai un bon chemin, en fait. J'ai pris totalement au hasard. À chaque fois, je prends au hasard. Ah, il y a un canon, là, c'est pas bon, ça, le canon. Oh, que c'est pas bon. Non, non, reste pas là. Parce que là, je vais me faire propulser, hein, s'il tire le canon. Là, je suis spammé par les saloperies. Ah là là, ça passe pas. Ça ne passe pas. J'ai envie de le finir maintenant, vraiment. J'aurai un coup en plus, je pense. Parce que lui, il m'aura pas, c'est clair. Ah, il a une boule renforcée quand même. Il peut peut-être m'avoir, cet enfoiré, là. Mais, oh non, le vent. C'est pas grave, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts, juste de la perte de temps. Voilà, faut pas que ça me repousse, par contre. Voilà, on va essayer de rester. Oh là, non, bah, j'ai à peine dit ça, que voilà, voilà, directement. Ça, c'est fait. Alors, lui, il arrive au canon. Alors, attendez, je repars d'ici, je vais essayer de descendre et d'avoir un maximum de vitesse. Ma boule n'est pas trop entamée, on va dire. Boum. Yes. Bye bye, mon petit book. Le grand book. Allez, bye bye. Voilà, bah ça c'est beau. Et bien voilà. Alors, je pense qu'on va se laisser ici, hein. J'ai 27 clés, ce qui commence à être pas mal, je pense que je vais pas rester bloqué quelque part. Et on verra l'épisode suivant, enfin l'épisode, le niveau suivant. Oui d'accord, c'est à droite. Le niveau suivant au prochain épisode. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.